Salut à tous et à toutes les amis, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Twitter sur Fun. Oui, ça fait très longtemps et je suis contente de vous proposer justement cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis en compagnie de Naylor. Salut Naylor. Salut. Donc hier, je vous ai justement proposé une vidéo comment avoir la monture la plus grande du jeu, mais c'était juste un petit truc parce que la seconde partie de la vidéo en Battlegrounds buguait. Donc aujourd'hui, on a essayé de vous faire un Twitter sur Fun. Alors on va refaire, donc on a trouvé deux astuces pour avoir la plus grosse monture du jeu. Alors, vas-y Nelor, je te laisse expliquer pour le début, hein, vas-y. Bon, d'abord, il faut mettre le chapeau de Buriker noir. C'est un Donc manchot que rare. lorsqu'on va agir. Hein. Voilà. Et après, il faut prendre une potion taille de géant que l'on trouve sur les monstres Tauride. Donc voilà. Et après, vous montez votre élec. Voilà, ça c'est ce qu'on avait expliqué hier. Donc vous voyez, donc là il est juste énorme. J'ai remarqué qu'en BG on pouvait devenir encore plus grand, donc je sais pas si c'est cumulable avec eau de feu de sombre lune, donc que l'on pêche à sombre lune dans les bancs de débris. Donc quand vous ouvrez le sac, et bien en fait on peut avoir ça dedans. Je suis désolée pour les bruits de fond, les surscapes et tout. Voilà, donc vous utilisez ça pour voir si c'est cumulable. Donc on n'a pas testé parce que Naylor n'en a plus et que moi j'ai pas burgué ni d'élec ni de potion d'agent. Et aussi Berserker, donc faut tester avec le Berserker en plus. Car je sais qu'avec Eau de Feu de Sombre Lune plus Berserker, ça nous fait grandir. Donc testez avec le buff de Berserker. Donc Berserker c'est... Vous voyez dans les maisons en BG, eh bien il y a une sorte de buff rouge qui vous fait que vous avez main rouge. Ça vous agrandit et vous serez littéralement gigantesque. Lorsque vous aurez ce buff, voilà, donc on coupe et on se reprend dans 2 secondes. Alors voilà les amis, donc je voulais justement vous montrer un endroit pour avoir des sacs pas chers du tout, vraiment pas chers. Et donc c'est ici, nous sommes au contrefort de Outrebrand, et vous avez certainement pu le remarquer. Donc nous sommes ici en plein milieu, donc sur une sorte de falaise, je sais pas si vous pouvez voir derrière qu'une falaise. Je vais juste baisser légèrement le graphisme, parce que je lag. Je sais pas pourquoi je lag d'ailleurs. Voilà, donc là je lag moins. Donc ici en fait vous avez des sacs pas chers du tout. Vous pouvez voir, en fait c'est Tokdalris, Lureneige qui vous les vend. Donc vous venez ici. Hop, et vous pouvez acheter les cartouchières de peau de gnoll et les carquois en cure harpie à 50 points d'honneur, soit pratiquement rien en fait. Et ça vous fait un sac 16 emplacements très facile. Vous n'aurez pas à monter toute vos réputations, mais un truc méga long à faire quoi. Voilà, donc c'est très facile, c'était la petite astuce pour avoir un sac pas cher à prix discount. C'est comme ça, c'était dans un tuto
dans un Prince Queen, c'était dans un sorte de forum, il dit ça comme ça. Et Naylor, maintenant, je vais vous montrer comment changer de sexe en F2P, donc genre homme-femme, voilà. Donc Naylor, je te laisse expliquer ça. Alors, donc tout d'abord, il faut mettre le chapeau de Borghi, se transformer en petit gnome. Voilà, donc toujours avec le chapeau de Burly, très important le chapeau de Burly. Et après. Et donc après, on fabrique un déviant. Voilà. Voilà, et on Et vous remet. transformez. Donc maintenant, quand on va sur votre fiche de personnage, si ça bug, voilà, inspectez. Il y a écrit voleur finesse. Donc vous êtes transformé donc en homme. Sinon ça aurait écrit voleuse finesse. Enfin, parce que moi j'ai écrit voleuse et là voleur. Donc comment changer de sexe, enfin de position, n'importe quoi. De façon de marcher par exemple avec les déviants et tout. Enfin, sorte de transmogrification, hein, quand on est un déviant, et ben on peut changer, voilà. Donc Naylor vous l'a expliqué. Maintenant on va vous se couper pour vous montrer la dernière. Dernier bonus du Twinkle Fun, la mascotte Tournesol Chantant, qui est d'ailleurs la mascotte que je préfère d'ailleurs. Donc on va y aller, je coupe 2 secondes et on y va. Re les amis, nous sommes à l'endroit où avoir le tournesol chanceux, chanceux, chantant que l'on peut voir d'ailleurs, ça c'est son skin ici. Et quand on clique dessus d'ailleurs, ça fait une sorte de cri du tournesol chantant qui chante d'ailleurs. Donc vous venez ici, donc à la ferme de Brasi, donc au contrefort de votre bande, comme depuis tout à l'heure. Et vous avez donc une sorte de ferme ici, là, à côté du cratère de Dalaran, parce que pour ceux qui connaissent pas l'histoire, donc le cratère de Dalaran, en fait c'est l'ancien, c'est Dalaran, et c'était ici à la base. Mais suite à je sais plus quoi, et ben il est parti, enfin, dans le ciel, un truc dans le genre, enfin je sais plus trop. Pour ceux qui me disent que j'ai faux, bah ouais, j'ai faux, voilà, c'est sûr, c'est normal. Donc voilà, donc vous prenez la quête de ce gentil Brasi, le botaniste. Et en fait, nous allons rentrer dans une sorte de jeu qui s'appelle jeu Plante vs Zombie. Donc moi, j'ai déjà monté quelques levels. Plante vs Zombie, c'est un jeu assez connu, qui en fait, enfin même très connu, si je ne m'abuse. Et en fait, c'était des plantes qui affrontaient des zombies. Donc si vous voulez, on va poser nos plantes. Donc par exemple, là, je vais faire au pif. Hein. Voilà, je vais poser un tournesol chantant. Il y a des tutos pour réussir. Donc là, on a plusieurs vagues. Et là, si vous voulez, c'est un mini plan de zombie, tout simplement parce que c'est, il n'y a pas beaucoup ici. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 16 sur 7, alors que le vrai, je sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus. Et en fait, vous voyez les zombies qui arrivent, il faut juste disposer des plantes. Qui vont les tuer. Ouais, je fais vraiment vif. Donc si vous n'arrivez pas à partir d'une certaine vague, parce qu'en fait le Brasi va vous donner plusieurs quêtes, et bien allez tout simplement regarder des tutos sur des sites sur World of Warcraft. Alors moi je vais quitter. Et suite à la dernière vague, il y aura un boss. Et quand vous aurez battu ce boss, vous avez juste à rendre la quête à Brasi, donc il y a plusieurs quêtes. Et c'est bon, vous aurez le tournesol chantant. Hello. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour un prochain Twinkle Sur Fun. Compagnie de moi-même, ça c'est sûr. Et peut-être de Nelor, donc ça je sais pas trop. Sur les buffs et la survivabilité, enfin pour survivre mieux en BG, etc. Donc les buffs en BG et comment survivre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se redit à la prochaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à l'ajouter à vos favoris et à vous abonner. A plus! Salut tout le monde.